Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à l'Hôtel Fuseau pour cette très belle cérémonie. Alors, je vais commencer celle-ci par remercier son vice-président Christophe Muller, je vous pose ses écoutes évidemment, et Frédéric Parti, quand même le président. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous voulons vous remercier d'être là, si nombreux, si enthousiastes, si bien habillés, pour cette première édition des M'Dor. M comme Blues et comme J'aime. Créons notre ville à sa juste valeur. Nous en avions rêvé. Elle a accepté d'être la marraine de cette soirée des M'Dor. Roxana Maracineanu. Mmh. Charge d'ouvrir l'enveloppe et de découvrir le nom du lauréat. Je vous prends le micro. C'est comme le César, en fait. Hein. Voilà, exactement. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Alors, c'est une dame qui a gagné. Vous savez ce qu'elle a vécu. Madame Marie-Claire Vitou. Non, ça va, je vous remercie, tout à fait. Non, ça va, ça va très bien. Que ce soit M. Stéphane Engy. Pas de soucis, on va trouver. Moi, là, je vous remercie déjà pour ce trophée. Quoi. J'ai une surprise d'avoir été nominée. C'est Martine Zussi. Je m'étais préparée en disant allez, je rêve, peut-être ça va arriver. En sixième, on m'a mis plus ta main tranquillement. C'était obligatoire. C'est ce qu'on s'est dit avec son rendez-vous comme ça. Non, c'est... Elle va en jouer, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est le seul morceau que je sais jouer. Et j'ai toujours rêvé de le faire. Je suis désolée, ma famille est là, mes enfants, depuis tout à l'heure, ils me disent non, si c'est toi, non, je ne sais pas. On va partir avant peut-être. Hein. On vous fera tout ça. Mais franchement, si j'arrive à emballer une salle en jouant ce morceau, j'ai méga bonheur. C'est Monsieur Roland Kaufmann. En fait, je dois vous confesser quelque chose. Ouais. Pasteur, c'est normal, attendez pas. Madame Catherine Keller. Bonsoir. Alors moi, je ne suis pas très douée pour faire des discours, je suis plutôt douée pour faire des photos. Les commerçants du marché de Mulhouse. Vous le voyez très ému. Moi j'ai une question, en avant-première, ou alors je parie que vous savez déjà où il va être le fameux M dans le temple. Certainement au début d'une des galeries un petit support où on va le mettre en valeur. Pour bien manifester que ce n'est pas moi personnellement, mais c'est notre association, c'est le temple. Et c'est ce que nous représentons qui a été salué ce soir. Et c'est bien ça qui est pour nous extrêmement important. Et le projet le plus fou là, que vous n'avez pas encore pu faire et que vous aimeriez réaliser dans le temple? Là, si vous aviez une baguette magique, là, parce que là vous avez un M magique, c'est pas loin. Hein. Là, c'est un parc d'aventure dans le temple avec des tyroliennes qui iraient de colonne en colonne. Quand on se jetterait dans le vide, on aurait un petit panneau qui dirait as-tu pensé à ton assurance, c'est Jésus-Christ. Voilà. Vous en avez rêvé? À fond, j'en ai rêvé, bien sûr, j'en ai rêvé. Tous les soirs, j'en ai rêvé.
Et Mulhouse l'a fait. Pire que ça. C'est par rapport au badge ici. Votre femme, elle est pas trop jalouse? Elle est là, on peut aller lui demander. Allez hop, c'est parti, on y va. Faut que je la retrouve déjà. Ouais. Merci d'avoir été.